Salut à tous et bienvenue pour ce disco blabla numéro 21. On démarre euh, aujourd'hui euh, sur les J puisqu'on a fini euh, dans le numéro 20, la lettre I avec euh, In euh, Maiden, etc. Euh, donc Joshua, Joshua Pereira, guitariste prodige comme on dit euh, dans les cercles autorisés, euh, euh, qui pratique d'FM, euh, Alors cet album-là, il, il est sorti, alors c'est pas la pochette originale, il est sorti en 85. C'est un import Jap. Que euh, j'ai chopé je sais plus quand et je sais plus où. Euh, donc cette pochette horrible, la pochette originale était mieux. Je, je me souviens pas si même, je suis pas très précis là pour démarrer. Euh, si c'était le premier album du groupe, je crois que oui. Et je pense pas qu'il ait fait grand chose d'autre sous ce nom. Euh, je, si il y en a un autre avec un autre chanteur. Et donc du coup, ça m'a pas plu parce que euh, vraiment, c'est, euh, en fait, j'aime beaucoup cet album-là, euh, notamment pour le chanteur qui s'appelle. Attention, j'ai préparé l'émission. Putain. Si lead vocal Jeff Fenolt voilà, on est bien avancé avec ça. Non, mais il a vraiment bon, c'est une voix claire, mais j'aime beaucoup son timbre, un peu un peu mélancolique et, et c'est vraiment cet aspect mélancolique que j'aime bien dans euh, dans les chansons, notamment attention, Hold On bien sûr et Your Love Is Gone euh, à fendre le cœur, voilà. Une fois que ça s'est dit, euh, donc c'est du, du gros FM avec duel euh, clavier dégoulinant, euh, guitare dégoulinante c'est pas trop trop vulgose c'est pas du Bon Jovi mais c'est pas trop loin non plus mais il y a ce côté c'est un peu moins US en fait c'est assez marrant voilà mais c'est un très bon disque de de FM si si vous êtes branché par le style souvent dans le dans le hard c'est que des petits noms à part enfin une fois qu'on est sorti de Journey Foreigner et Bon Jovi c'est que des petits trucs c'est souvent des one shot voilà c'est bien c'est pas bien donc voilà là c'est bien Enfin, je pense, euh, il faut y aller. Bon, comme pour Maiden, je ne vais pas trop m'attarder sur, euh, sur Judas. On avait fait un Metal Blabla spécial euh, pour le groupe. J'en ai un paquet, je vais juste les faire défiler. Je ne les ai pas tous, hein, les judas. Euh, Sad Wings, donc euh, pour la période 76, on va dire. Euh, et pas Rock voilà. il ne faut pas déconner. Euh, Sin After Sin, que j'ai euh, redécouvert quand on avait fait l'émission et que je n'avais pas écouté depuis hyper longtemps et euh, je me suis régalé notamment euh, avec Starbreaker, j'aime beaucoup, euh, mais voilà, c'est vraiment un, un album assez, euh, assez cool. Euh, Killing Machine que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu oublié dans les, dans les euh, listes quand on parle de Judas et des albums euh, réussis, moi Killing Machine euh, c'est quasiment sans faute. Euh, British Teal que j'avais un peu taillé euh, et que quand même je suis obligé de réévaluer. Fin, Enfin que c'est pas un mauvais disque, mais je trouve qu'il y a des faiblesses. Et il n'y en a pas tant que ça. Enfin, Je trouve pas ça si réussi que ça, mais bon. Mais ça reste un classique, quoi. Du, du heavy metal. Et puis, euh, et puis il y a cette pochette quand même qui tue un peu tout. Hein. Ça, c'est de la pochette, quoi. La période que je préfère, donc Scream for Vengeance, Defenders of the Face. Euh, voilà, bon, j'ai découvert le groupe, en fait, avec Defenders, moi, hein. je suis rentré par là. Donc après, euh, je suis allé un peu dans les deux sens, c'est-à-dire ce qui a suivi, ce qui a précédé. Euh, mais Defender, bon. Defender, il y a le Sentinel dessus, donc euh, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, normalement. Hein. Si vous connaissez Sentinel, vous savez. Et si vous ne connaissez pas The Sentinel, il faut aller écouter The Sentinel et puis lire les paroles aussi parce qu'elles sont, sont bien, bien cool. Euh, une histoire de duel au couteau, hein. rien, de, rien de bien philosophique, mais, euh, mais c'est bien. Enfin, il y a, y, a, y a le sens de la formule quoi. Donc, Defender of the Face, il faut y aller les gars. Hein. Bon, ensuite, le trait controversé Turbo, euh, donc l'album le plus arduest de. Euh, de Judas, euh, le premier album que j'ai acheté quasiment avec un Boston, euh, acheté en cassette, c'était bien cool. Super disque, d'autant plus que euh, il est super sur la longueur, en fait, c'est ça qui est cool. Et même les, les titres à la fin, bon là il y a des bonus tracks, All Fired Up et euh, Logged In, c'est quoi All Fired Up Ça c'est un, un vrai bonus, je pense, je me souviens pas. Mais Hot euh, for Love, Reckless, nickel. Et la deuxième face il y a quand même Out in the Cold qui est qui un, un gros morceau notamment dans les lives puisque sur le prix live bah, Out in the call ouvre il me semble-t-il ouais. ouvre ouvre le concert un vrai faux live hein, bon voilà donc période turbo mais euh, j'ai pas mal écouté ce live parce que à l'époque j'avais pas beaucoup de Judas donc ça a permis d'avoir une sorte de best-of et puis là il y a quand même euh, voilà il y avait des classiques hein, Electric Eye euh, qu'est-ce qu'on avait bah, plus, pop, pop, que je connaissais pas voilà, Breaking the law Metal Gods heading out to the highway Living After Midnight, uh, You've Got Another Thing Coming. Bon là, on est vraiment sur du tube hein, quand même, parce que si on rajoute les, les turbos, il n'y a, a pas Free wheel Burning ou des trucs comme ça. Hein. C'est euh, c'est quand même euh, avec le avec le recul, je me dis ouais, c'est vrai que c'était quand même orienté euh, vraiment euh, vraiment le, les, les titres les plus US. Mais bon. Euh, et, et alors le Priest donc fait euh, bah, bah un record hein, sur ce disque puisqu'il arrive à être plus lent euh, et moins péchu. Que sur album. Alors euh, déjà que c'est un faux live, euh, c'est bizarre quand même. <laughs> bon, bref. Ensuite, le Ram It Down que moi j'aime bien, qui préfigure évidemment la suite et, et euh, qui euh, en fait le, vraiment le, la transition entre Turbo et Painkiller, hein, c'est vraiment ce qu'il porte en lui. Et euh, il est un peu déconsidéré cet album alors que je le trouve euh, vachement, vachement cool quoi. Bon, c'est pas c'est pas le premier Judas que je mettrais sur la platine ou que je conseillerais bien sûr. Mais, euh, mais ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, si vous aimez les cacahuètes, bien sûr. Donc, Painkiller, bon. C'est un sommet Painkiller parce que euh, voilà, pour le niveau d'agressivité, notamment du titre euh, éponyme de l'album, et cette fois c'est bien employé. Euh, mais euh, en fait, tout l'album n'est pas aussi agressif que Painkiller mais ça reste quand même du gros du gros métal sur l'ensemble sur et puis c'est hyper bien fait, il n'y a pas vraiment de mauvais titres euh, je sais pas, il y en a un que tu dois moins aimer, mais bon évidemment là je vois rien c'est écrit en rouge sur fond bleu les gars putain, pensez aux vieux hein. quand, quand on vieillit on peut plus lire vos, vos pochettes d'un disque, hein. <laughs> c'est n'importe quoi et puis bon évidemment là il va y avoir plein de, plein de manques hein. bon j'en ai quelques-uns de manques déjà mais euh, voilà, et puis le dernier en date on avait parlé à la sortie, Firepower qui est moyen, voilà. Mais comparé à ce qui précédait, forcément c'est cool, mais comparé à ce qui précédait vraiment, c'est moins bien. Hein. Euh, gros son, bon, c'est pas, c'est un album moyen, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal qu'ils arrivent à faire du moyen euh, à leur âge, hein, après une telle carrière, mais euh, mais il faut pas non plus s'enflammer, euh, s'enflammer plus que ça. On a fini sur les J. Il y a pas beaucoup de groupes en J, finalement, dans le, dans le dans le métal, en tout cas dans ma discothèque. Alors on passe au K, au cas K, avec un album dont j'ai, euh, me semble, déjà parlé plusieurs fois, qui est dans plusieurs de mes listes, euh, auquel j'ai consacré un article fabuleux dans le, dans le livre inoxydable, que je vous rappelle, vous pouvez commander sur le site internet, hein, vous cherchouillez, il y a, y a plein de liens pour y arriver. Je vous rappelle que je ne touche pas d'argent sur euh, ce bouquin, au cas où vous posiez la question ou si vous débarquez un petit peu dans l'émission. Euh, et qui regroupe euh, sur 500 pages euh, des tas et des tas de chroniques écrites euh, et d'articles écrites sur une période de 10 ans et qui regroupe à la fois du métal, du punk, du rock, mais principalement du metal, on va dire à 60, euh, 65% ou <laughs> 70%. Voilà. Donc j'avais fait un papier sur Sibion, euh, premier album et unique de Calisia. Donc calisia, c'est un groupe de Montpellier, si je ne m'abuse. C'est les voisins, hein c'est le sud de Kog. Et euh, donc, ils ont mis dix ans à faire l'album, en gros, ou sept ans, je sais plus. Euh, le livret est magnifique, comme vous voyez. C'est un concept album euh, sur une histoire futuriste de... Et sur l'humanité qui, qui va sur d'autres planètes et qui se pose des questions, euh, j'ai pas tout, tout compris, hein. c'est pas, pas hyper explicite, mais bon, voilà. C'est très, très chouette à écouter en, en feuilletant le livret, parce que justement il y a ces, ces illustrations spatiales et futuristes, donc ça c'est bien cool à essayer de décrypter un peu les paroles. Et donc c'est un seul morceau de 66 minutes 66, on sent qu'ils sont taquins. Hein, on sent que c'est des ardos, hein, donc il y, y a un truc avec 666, ça rigole pas. Euh, c'est du death, prog, voilà, c'est du vrai prog. Les, chaque plante dure 8 mesures maxi et puis on change, et ça pendant plus d'une heure, donc c'est épuisant à écouter. En général, euh, je l'écoute par période et en deux fois. J'écoute la moitié, puis je vais me coucher, hein, <laughs> parce que je suis fatigué, et après j'écoute la deuxième moitié. Voilà, donc on prend quand même quelques repères au fil des écoutes, mais c'est très très riche. C'est haletant le temps, enfin on passe d'un plan à l'autre. pour moi c'est vraiment la définition du prog. C'est vraiment le truc le plus prog, que... enfin l'un des trucs les plus prog que je peux avoir, et c'est l'un des meilleurs trucs de prog que j'ai écouté. Le son est super, euh, ça vit pas trop, je trouve, et euh, et c'est un super euh, super album, super album, voilà. Donc y a des voix, donc c'est principalement voix d'aise pour ceux qui ont acheter le livre, hein, qui ne connaissent pas tous les détails bon j'ajoute quelques détails avant que vous commandiez l'ouvrage euh, ne serait-ce que pour cet article euh, voix d'aise, quelques voix féminines, beaucoup d'effets sur des voix, quelques voix claires mais pas beaucoup euh, vraiment c'est la voix d'aise qui domine, c'est peut-être le point faible d'ailleurs, ça manque en, en fait ce qui manque c'est des grandes mélodies en fait sur Cibion. Il y a que des petites mélodies euh, même le thème principal est vraiment ces trois notes, donc il manque, il manque en fait quelques envolées euh, mélodiques que ce soit à la guitare ou au chant mais euh, ça permettrait aussi de prendre un peu plus euh, ses repères sur une aussi longue plage de musique euh, non-stop, quoi. Mais c'est vraiment... En tout cas, c'est un... Ouais, bon... Je veux dire, c'est un voyage, hein, C'est un peu le cliché quand on... Quand on... Euh, on parle d'albums de, 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 concept, comme ça. Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis-donc euh, Quel diant, maintenant Darkness and Light, j'en avais parlé euh, dans une émission. Euh, mélange de donc de suivi mélodique on va dire de RDFM c'est assez orienté clavier quand même c'est très mélodique moi je trouve ça très réussi alors après c'est vraiment un projet studio de deux de deux mecs euh, a pas grand chose dans putain j'ai tout pété quoi comme d'habitude <laughs> en fait je pète tous mes disques pour vous les montrer je, je, voilà. donc c'est euh, Pipo et Molo hein, qui euh, qui font tout sur euh, alors Pipo et Molo ils ont en plus dans, dans un sous-marin, on hein, peut faire classe ou dans un placard électrique, je sais pas, je me rends pas compte. Euh, non mais bon, blague à part, ouais, je, je, ça sent un peu la loose en fait ce groupe et euh, ses photos et tout ça, et puis chaque fois il y a une, une pauvre photo achetée sur une banque d'images à 10 balles. Euh, bon, euh, mais En tout cas, moi je le trouve très très réussi sur la longueur. Le précédent c'est celui où il y a le, une photo du soleil, waouh, qui, qui est pas mal aussi, mais, euh, mais je préfère celui-là. Voilà, c'est super frais, il n'y a que 8 titres parce que ça, ça prend son temps quand même. Mais euh, c'est vraiment chouette, mélodiquement c'est très très réussi. Donc euh, bon, par contre, il y a beaucoup de tututes, hein. il faut, faut aimer le tutu -tut quand même. Euh... Voilà, alors euh, on continue avec Kick Consider This, qui est euh, un des... À un moment donné, Steve Harris avait dit, euh, a décidé de produire des groupes, donc il y en a produit deux à la fois, Kick et un autre. <laughs> Le mec précis, super. Euh, c'était quoi l'autre Mais les deux ont merdé, hein, euh, qu'ils n'ont pas fait grand-chose et l'autre non plus. Ça va peut-être me revenir, mais je ne sais pas. Bon, c'est des mecs euh, qu'il a trouvé sympa et voilà. Bon, Kick, c'est vraiment pas mal. J'avoue qu'il était dans mon purgatoire. Je l'ai ressorti, je ne sais pas, il y a un ou deux ans, en me disant mais ouais, mais finalement, euh, voyons. Et c'était pas mal. Donc du coup, il est repassé euh, en division 1 hein, sur les vraies étagères. Et euh, j'en ai un souvenir assez flou parce que, mais je sais que je vais les réécouter là. Quand, quand j'ai manipulé les disques pour préparer l'émission, je me suis dit putain, il faut que j'en réécoute. Je sais que c'est un peu US, que c'est un peu groove, que c'est un peu euh, voilà, sorti des années 90. Donc ça mélange euh, des choses un peu rock et puis du, du hard rock. Euh, et c'était euh, vraiment bien foutu. Bon, alors j'avoue que j'ai un peu de mal à en parler plus parce que mon souvenir est ancien. Mais je sais que je vais y revenir sous peu d'ailleurs. Je vais me le mettre de côté. Euh. Quand je vais ranger tout mon bordel pour, euh, pour l'écouter, euh, un de ces quatre. Bon, on passe à du lourd. Euh, voilà. Ok. okay. <laughs> killers. Ou français. Alors, on va en mettre deux. Ouais, deux killers, on va mettre les deux que j'ai. Alors, j'en ai d'autres dans le purgatoire, en fait. Puis j'en ai acheté d'autres J'en ai eu d'autres aussi Dans ma vie On va dire Mais euh, Donc Résistance Et les Cités Interdites Donc Killers Groupe Basque euh, De Speed Metal Pour le coup Il n'y en a pas tant que ça Finalement Du Speed Metal Donc Comme ADX Finalement euh, C'est du Speed Metal euh, Et ça date de la époque Des années 80 Donc ça c'est par contre Enfin les albums Sont sortis un peu après hein, euh, Voilà 80, fin, 89 Donc lui ça doit être 91 Je pense ce qui est sorti euh, Ouais voilà 91 euh, alors, Killer vous avez commencé avec un chanteur euh, qui ensuite s'est barré dans *Titan*, euh, très euh, Udo à la française, on va dire euh, Udo alors à la française, qu'est-ce que c'est cette voix de merde euh, Je sais pas si je vais pouvoir couper ça en plus. Euh, donc ensuite, alors ils ont eu un *Dolégui*, patron chante, puis enfin il y a eu là il y en a un autre, c'est *Pujol* ou je sais plus comment il s'appelle chanteur sur cet album là euh, donc dans le dans un côté beaucoup plus rock euh, éraillé euh, euh, très viril entre guillemets c'est euh, voilà mais moi j'aime bien j'aime bien ce qui est viril <laughs> n'importe quoi et par contre le point fort de ces deux albums notamment c'est que euh, sur euh, putain il n'y a pas le nom des mecs je crois que c'était plus Bon, c'est qu'il y a surtout il y a François Merle, qui est un guitariste que moi j'aime beaucoup, euh, et qui apporte vraiment un peu de sophistication et beaucoup de mélodie dans, dans tout ça. En fait, euh, Killers, va en, fin une fois qu'il va partir euh, et qu'il va monter Manigance, euh, notamment, Merle, euh, on va se retrouver avec un Killers vraiment brut, et vraiment pas inspiré, en fait, ça, ça a tourné quand même vite, euh, vite en rond et vite sur des choses. Euh éculé donc enfin euh, pas éculé pff, pas éculé mais ouais qui est très répétitive et ça a manqué d'accroche etc je pense que Mer elle a vraiment un sens mélodique euh, bon ça s'entend dans Manigance quand même hein. il est a... Manigance ça sort un peu du haut à cause de ça enfin euh, il y a des défauts dans Manigance mais pas à côté guitare quoi et même si euh, c'est euh, l'autre là qui fait euh, qui fait tout ce qui est solo maintenant enfin euh, depuis quasiment le début mais enfin euh, qui prend la plupart des solos je veux dire euh, voilà, Manigance, on retrouve en fait ce qu'il y avait un peu dans, dans le Killers de cette époque là et que je trouvais très très réussi quoi. Et ensuite ça, ça se casse la gueule. Euh, sur Résistance, les textes sont, sont pas mal quand même. Sur les Internet euh, c'est déjà plus obscur. Bon, après on, on tourne toujours dans les thématiques de Killers, de la vengeance, l'intégrité, euh, bon, des trucs comme ça, mais bon, il y a des choses intéressantes. Et euh, sur, euh, noter que sur les cités interdites, donc il y avait la fameuse, enfin fameuse, oui, relativement fameuse, reprise de Barbara, euh, l'Aigle Noir, euh, qui, qui a effrayé beaucoup de, de mes copains de l'époque, qui n'écoutaient pas du métal. Et je leur ai dit, ah, je, je, tu connais l'Aigle Noir <laughs> Écoute un petit peu. <laughs> hein, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont fous. Bon, mais en fait, euh, moi je la trouve, elle est pas mal cette reprise de l'Aigle Noir, en fait. Euh, il se réapproprie le morceau, euh, ouais, un peu comme Judas avait repris euh, Johnny Bigwood euh, euh, C'est un peu euh, ce niveau de, de différentiel euh, entre l'original et, et la reprise. Alors, on continue avec euh, un groupe que, très contesté à l'époque, Kingdom Come, qui euh, je pense c'était en 88, parce que ça, ça, ça c'est le deuxième, donc euh, bon je vais pas y arriver, ça va être 89. Hein. 90. Donc qui en... Voilà, c'était 89. Donc l'autre c'était 88, je pense. Premier album sans titre de Kingdom Come, et mmh. qui a vendu des périodes d'albums et qui pompait, mais euh, c'était le Greta Van Fleet de l'époque, hein, ou, ou on peut dire que Greta Van Fleet, c'est le Kingdom Come de, les, de son époque. Qui pompait donc Led Zepp de manière éhontée, euh, avec un chanteur très très proche euh, de Led Zepp. Alors il y a la seule différence, c'est que la prod est restée euh, avec ses... Ce sont assez 80 en fait, sur la batterie massive, etc. Et donc on s'éloignait un peu du naturel, tout aussi massif, mais beaucoup plus naturel de Bonham. Mais c'était vraiment un scandale. Donc Kingdom Come euh, aux chiottes. Et euh, donc euh, moi j'ai blacklisté le, le groupe. Et, euh, et en fait j'ai découvert leur deuxième album, donc In Your Face. Euh, des années après, il n'y a pas très très longtemps en fait, il y a que quelques années que j'ai ça et, euh, et Kingdom Come sur à part sur deux trois titres en fait c'est éloigné de du Let's Play like, pour aller vers un hard rock euh, un peu standard en fait, hein, mais vraiment vraiment réussi et euh, donc du coup bah j'ai acheté In Your Face qui est vraiment euh, plus hard que Great White, enfin, c'est entre Great White, Tesla, euh, tous ces trucs là quoi. Euh, c'est pas glam, c'est pas, pas US flashy, euh, c'est du, du hard rock vraiment solide, accrocheur. Donc euh, ça a le coup, et voilà, c'est la rédemption de Kingdom Come après ce calamiteux euh. Euh, premier album. Alors là, un de mes albums de hard US préférés, je le, je le cite, je pense qu'il doit être sur euh, dans la liste que j'avais faite à l'époque, quand, quand on avait fait avec euh, Metal Blabla les dossiers hard US euh, et tout ça. Donc, si vous n'arrivez pas à lire, King Cobra Ready to Strike. Voilà, donc c'est une version, euh, c'est une réédition Axe Killer, si je me souviens bien. Ouais, Axe Killer, qui, qui ressortait quand même des disques sympas. Et euh, donc, euh, c'est leur premier album. Et euh, c'est le groupe de. Euh, je crois que c'est Carmine, parce que je me tombe toujours. Carmine Apice. Car Carmine Apice, je ne sais pas comment on prononce ça. Hein. Déjà, il y a un mec qui s'appelle Carmine, sans décoller. Carmine Carmine Pice, bah, peut-être c'est comme ça qu'il faut prononcer, et pas Pice, je sais pas. Euh, donc c'est lui, c'est la brune, parce que toutes les autres elles sont blondes, et lui c'est la, la brune à moustache. Donc c'est Carmine ou c'est Vini Parce que c'est les deux frères batteurs, hein. Carmine, c'est Carmine. Voilà. Euh, donc un Hard US un peu sponsorisé par qui, s'il me semble, dans leur carrière euh, ou par Gene Simons, je pense, qui qu 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 doit pas être loin qui a dû mettre un petit billet dessus, je ne me souviens plus, mais il me semble. Et, euh, et je trouve toutes les compos super. Voilà. C'est vraiment un album, euh, un album qui ne cherche pas le gros... Enfin, euh, il y a des gros refrains, mais il y a toujours... Euh, alors je vais encore répéter le mot mélancolie, mais moi c'est ce qui me plaît aussi dans la musique, c'est de trouver un peu de tristesse dans un endroit où elle ne devrait pas y être. Et pas une tristesse très affichée, très très théâtrale qu'on trouve dans le métal en général. Ça, ça me saoule en fait. Et euh, donc là, c'est voilà, il y a une petite nuance en fait, c'est euh, une petite élégance. Hein. Je renvoie aussi au dossier qu'on a fait sur l'élégance euh, qui n'est pas l'apanage du, du hard rock et du métal. Mais là, il y en a un petit peu. Et parce qu'il y a toujours quelque chose qui est euh, à tough guy, euh, qui est vraiment préféré. Euh, non, mais tout est tout est bien après euh, voilà. Piece of the Rock ou des trucs comme ça, c'est vraiment euh, même Ready to Strike, il y, y a du gros refrain etc. Mais euh, mais ça reste U.S. Hein, pas FM, pas de clavier. Donc euh, c'est vraiment une super super petite adresse. Enfin, non, moi j'adore cet album. Donc euh, Corex Killer a réédité euh, leur deuxième album que je ne connaissais pas à l'époque. Thrill of Lifetime, je l'ai acheté. Euh, donc c'est la même chose, hein, les, petits, les petits fourreaux. Euh, alors celui-là, euh, clairement, ils ont cherché à en vendre. Je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup. Mais euh, c'est plus vraiment du hard. C'est de la quoi. C'est euh, vraiment la version light euh, du précédent. Ça sera proche plus de ce rock euh, FM euh, voilà, adulte euh, est pour ça Enfin Aware. Qui est moins hard, en fait, que le hard US. Euh, donc, euh, donc là c'est vraiment la version lighter c'est pas mal mais c'est vraiment beaucoup plus sucré il y, y a des claviers et les machins et c'est un peu c'est un peu chiant il y a un troisième album de King Cobra qui s'appelle 3 euh, qui revenait un petit peu en arrière je l'ai pas tu là enfin je l'avais en cassette à l'époque mais je l'ai pas racheté il euh, y avait une reprise de Kiss ou un titre de de Kiss enfin euh, composé par un Kiss je me souviens plus mais qui c'était pas mal mais après c'était un peu un peu moins réussi hein on parlait de Kiss hein, forcément, alors j'en ai qu'un Kiss euh, Love Gun que j'ai acheté il y a pas très longtemps parce que je m'étais dit euh, je vais me foutre à Kiss parce que euh, je connais mal euh, les vieux en fait Kiss, j'ai écouté euh, j'avais un best-of évidemment enfin non pas évidemment j'avais un best-of et puis des... j'ai toujours écouté des bouts de Kiss à droite à gauche mais j'ai mis d'albums, donc j'ai commencé à chercher un peu et à réécouter des anciens. Donc Love Gun m'avait bah, bien plu, donc j'ai commandé. J'aimais bien la pochette. Bon, c'est quand même pas un groupe que j'adore en fait. Les seuls, euh, en fait, je crois que je vais me racheter les, les deux que j'aimais beaucoup. Enfin, celui que j'aimais beaucoup en fait, et, euh, qui, ça, je sais pas si c'était le premier que j'ai eu, c'est Cruzy Knight, euh, qui est euh, leur truc le plus us et euh, limite F, pas FM, mais vraiment très accrocheur. Je me demande s'il n'y a pas Desmond Child d'ailleurs dans ou ce genre de co-auteur, euh, co-compositeur à l'époque. Euh, moi, je commence par celui-là. Je, je l'avais trouvé vraiment, vraiment bien. J'ai un super souvenir. Euh, après, euh, je pense que Kiss, pour moi, c'est il faut que, que je me fasse hein, un compile, quoi, un best-of, parce que il, je trouve que les albums, enfin, euh, m'accroche pas sur la longueur, ça me saoule. Puis bon, après, il y a le, les à côté de Kiss, hein, le jean Simon Style, qui, qui me prend la tête. Euh, donc euh, bon, après. Ça c'est histoire d'image, mais... mais bon là-dessus, euh, qu'est-ce que... Christine 16, ça m'a plu. Il y a... Et puis il y a Love Gun dessus hein, qui est une super chanson. Le reste, je le connais très mal, donc je vais pas en parler plus que ça. Mais c'est assez sympathique. Mais euh, ouais, je crois que Kiss, bon ouais, j'essaye de temps en temps parce que j'ai je, je, des acquaintances avec le groupe. Y a le côté, moi j'aime aussi la pop, donc il euh, y a un côté pop, il y a un côté euh, un peu Beatles, entre guillemets, parce qu'il y a voilà, le côté deux voix, le côté euh, morceaux assez varié, etc. Mais euh, bon, moi je suis toujours un peu euh, à la traîne avec Kiss. Ça, si vous connaissez pas la pochette, euh, forcément c'est compliqué de savoir qui c'est vu que c'est pas écrit, hein, mais c'est Clone. Et euh, l'album Here Comes the Sun, ouais, je vais vérifier euh, le titre, que je ne me trompe pas, euh, s'il y avait euh, un mot euh, en plus ou en moins. Alors, euh, Clone, c'est une sorte de groupe euh, néo, c'est un peu dur pour eux, mais euh, ouais, français euh, qui fait une musique un peu étrange en fait, ouais, on, va, on va dire néo grunge, j'en sais rien, enfin c'est un peu bizarre. Euh, moi, ça m'a jamais trop accroché jusqu'à ce qu'ils fassent cet album où, euh, où là ils ont mis vraiment en avant leur chanteur et où côté instrumental euh, on est vraiment beaucoup sur du son clair, de l'acoustique et, euh, euh, et, euh, et des nappes et euh, des ambiances un peu éthérées. Alors, c'est pas les Cocteau Twins ou ce genre de pop euh, comme ça complètement vaporeuse, mais. Euh on est sur un peu de, du contemplatif. Alors, le contemplatif, en général, ça me plaît pas trop. Moi, je préfère les trucs un peu plus directs. Euh, mais euh, là, ça, je, fin, le mec a une voix. Euh, je me souviens pas de son nom. Est-ce que je cherche Est-ce que je avoir de. Voilà. Fa, euh, Yann, ligné. J'arrive à lire C'est ça Bon bah c'est un des meilleurs chanteurs français, je pense qu'il n'y euh, a pas photo, et on va dire qu'il est dans un registre euh, selon euh, s'il monte plus ou moins dans les aigus ou pas. Euh, assez proche de Sting. Il a un timbre de voix qui évoque Sting. Et comme là, il a la place en fait. Il a la place sur, euh, sur ses guitares euh, comme ça, euh, légères et, euh, et avec ses échos, etc. Enfin bref. Et la voix est vraiment mise en avant et il y a vraiment quelque chose de très très touchant là-dessus. Euh, il euh, y a un petit côté planant un peu Pink Floyd mais, mais sans sans, sans prog sans psychédélisme ou je sais pas quoi c'est vraiment très très réussi Moi, alors c'est pas un disque là aussi que j'écoute souvent en fait mais je sais voilà, quand, quand c'est l'ambiance c'est euh, vraiment excellent quoi. là un euh, des meilleurs trucs français en fait euh, que j'ai pu entendre euh, on va terminer sur du lourd. Euh, sur... Euh, ouais, je pense que... Ouais, bah, j'ai que ça, c'est ça. Creator, donc, euh, un groupe que j'ai découvert, moi, avec Extreme Aggression. Autant dire que ça m'a pas plu du tout. Ça m'a même fait un peu rien. Je trouvais la voix de 2000 Petrozza assez ridicule. Euh, de, de, à brailler sur des riffs. Pff, voilà, bon, bref. Et euh, donc, j'avais, euh, j'avais dû entendre un peu d'autres trucs de... Sur les des premiers albums, en fait, euh, Pleasure To Kill là, et tout ça. Et euh, donc, j'avais classé le groupe dans les trucs, euh, ça me plaît pas. Voilà. Donc, je sais pas la peine d'y revenir. Et, euh, et j'ai loupé, en fait, le virage mélodique de Creator. Et c'est Monsieur Canard qui m'avait poussé à écouter Phantom Antichrist, qui est évidemment dans la pile, et que vous allez voir, euh, que j'ai adoré euh, vraiment. Hein. Et du coup, j'ai repris Creator, j'ai remonté, remonté un peu le temps, et je me suis aperçu que euh, Creator avait fait un virage mélodique bien avant. Euh, euh, sur comment il s'appelle voir sur violent revolution euh... voilà à partir de celui-là c'est on est sur la même ligne. Donc, euh, donc, Créateur est devenu, euh, si pas, euh, ouais, un de mes groupes préférés finalement. Enfin, en tout cas, un groupe que j'aime beaucoup et que là, je, je sais que j'ai une période Créateur il y a quelques semaines euh, où je me suis replongé dans tous les albums et tout fonctionne et tout est bon et c'est vraiment un plaisir de riff, de mélodie de et de harnes hein, parce que ça reste euh, trashy quoi. Alors, trashy, du trash il n'est pas vraiment question sur cet album-là. C'est un dorama puisque c'est une des tentatives de créateurs de, de s'éloigner il, il y a Renewal et Outcast aussi qui sont des albums un peu, un peu à part et Andorama sa particularité c'est qu'il surfe sur la vague Paradise Lost donc de métal gothique donc là il y a euh, euh, Tommy euh, Tommy Baron c'est ça, le, le gratteux de et lui là le gratteux de, de Coroner qui euh, a intégré le groupe et Co-écrit tout et qui euh, produit, donc euh, je sais pas s'il a mis son voilà, c'est Tommy Vertellini ou VT hein, okay, bon, C'est écrit, c'est la mire, on peut pas lire, hein, vous faites chier les mecs, mais c'est Tommy Baron quoi. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est dans cette lignée un peu paradise lost, époque and times quoi, et ou un peu même euh, one second, enfin on est on est dans cet esprit-là. Et c'est plutôt réussi. Alors, euh, Mil Petrozza, Milé, je sais pas comment on dit ça aussi. Milé, Milé, je ne sais pas. C'est allemand en même temps, ce n'est pas, pas italien. Euh, Mil Petrozza, il, il hurle pas trop. Hein, il essaye de chantonner, de parloter, et tout ça. Il fait, il fait ce qu'il peut, mais il y arrive plutôt au pas mal. Et ça donne un album plutôt réussi, euh, assez surprenant. Ça reste du créateur quand même, c'est marrant. Et il euh, y a un titre qui fait penser qu'il y a un vachement à Megadeth, Période Symphony of Destruction, avec un riff simple. Euh, Mais euh, non, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, euh, bon petit disque assez surprenant. Et puis ensuite, euh, voilà, Violent Revolution, euh, Enemy of God, Hall of Chaos, euh, qui est peut-être un petit peu en dessous. Je sais pas si c'est Enemy of God. ou un... Moi, j'aime beaucoup Violent Revolution. Et Heart of Chaos donc je l'ai en coffret euh, pff, il était à il était à 10 balles en fait sur Amazon donc bon j'ai pris la, la version coffret avec donc le digipack on a euh, un sticker magnifique euh, voilà ça c'est la pochette originale il me semble avec un CD bonus qu'est-ce qu'il y a dessus des démos ouais, super j'avoue que j'ai pas jamais écouté ça quelques un petit bouclette avec des photos Je sais pas je sais pas le là voilà, euh, un flyer avec euh, un code pour je sais pas quoi, le poster et une carte postale. Bon, voilà, pour 10 balles, c'était sympa. Et le coffret, donc la petite boîte, donc ça c'est cool. Et puis, euh, bah, voilà les albums euh, récents, donc Phantom Antichrist, là aussi, euh, bon c'est une version, euh, un Nuclear Blast, euh, on est habitué à ce qu'ils fassent toujours des trucs. donc l'album en dj, euh, le bonus dvd donc euh, avec il y a un making of qui est, qui est assez sympa où il, il, donc là il y a le fameux gratteux euh, de Valtari hein, de, dessus bien sûr et donc on l'entend parler et, et ils ont ils, ils rigolent d'ailleurs dans le making of à se demander si c'est pas trop cheesy si c'est un trop mélodique ou accrocheur finalement quand ils font les solos tout ça il y a beaucoup de Maiden enfin beaucoup de trucs de plans euh, euh, voilà c'est accrocheur assez facile entre guillemets à, facile d'accès je veux dire pas forcément facile à faire et donc ils essayent de doser en fait ce côté accrocheur et, et cheesy avec euh, bah, la, la, la rusticité ou le, le, le son créateur habituel, je pense qu'ils sont bien arrivés. Ensuite, euh, ça c'est un EP donc qui était disponible que dans un avant la sortie de Ghost of Violence, qui était disponible en VPC. J'ai chopé sur Nuclear Blast, mais c'était avec un magazine en fait qui c'était sorti. Pas mal parce que euh, bon God of the Violent, c'est le euh, titre de l'album. Number of the Beast, euh, Wolfchild, super inédit. Iron Destiny, et il faut bien ensuite et Violent Revolution en live, donc il y a quand même de l'inédit. Alors, oh putain, le CD est pété, tiens. Il euh, y a quand même un truc qui était déjà, voilà, euh, Wolfchild, euh, c'était sur le single de Civilization Collapse. Voilà, donc c'est pas tout à fait un inédit. Bon, je vais mettre de côté ce que je vais réparer le CD. Et puis ensuite, euh, donc, en tout cas, enfin moi, j'ai pas mal écouté, stoppé. Euh, ça fait vraiment un petit disque très sympa. Et puis euh, le dernier, donc Gods of, Vi of Violence, and Book. Voilà, le format habituel de Nuclear Blast qui, euh, qui rentre dans l'étagère quand même, celui-là. Ça c'est cool déjà. Et puis euh, voilà, avec les gars, bon, super album euh, du niveau de Phantom Antichrist. La surprise en moins, mais donc peut-être que euh, moi, quand je l'ai découvert, je trouvais peut-être un poil moins bien, mais, mais en fait, il est super. Je l'ai réécouté là. Enfin, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas mis, et je, putain, ça se régaler. Euh, et j'ai redécouvert le dernier morceau que j'ai oublié. Ouais, c'est ça, Death Becomes My Light. J'adore ce, ce titre. Bon, et comme c'est le Digibook, il ouais, y a le DVD Ovaken traditionnel qui ne sert à rien. Euh, mais qui est toujours sympa si on veut se manger quelques, un peu de live euh, à partir de, de live Bon ben voilà on va, on va boucler sur, sur Creator, Supergroup. Euh, merci d'avoir écouté jusque là, vous pouvez euh, évidemment retrouver euh, tous les discours blabla sur euh, YouTube, sur SoundCloud, sur Deezer, sur Spotify. Toutes les plateformes, tout ça est centralisé sur le site Inoxydable EU, sur lequel vous retrouverez bien sûr euh, toutes les émissions Inoxidable elles-mêmes, hein, inoxydable c'est tous les mois, Disco Blabla, c'est tous les 15 jours. Donc on se retrouve dans 15 jours pour Disco Blabla. Euh, et puis euh, d'ici là, n'oubliez hein, pas, stay clean